Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc cadeau surprise donc de Sabrina. Donc Sabrina, c'est une de mes abonnées qui me suit maintenant depuis un petit moment, avec qui nous discutons régulièrement sur les réseaux sociaux, et elle voulait à tout prix me faire un cadeau. Donc voilà, j'ai accepté donc son cadeau, ça me fait toujours très plaisir. C'est toujours un moment avec qui apporte vraiment beaucoup d'émotions, parce qu'en fait c'est vrai que je ne pensais pas en fait pouvoir toucher des gens au point de vouloir m'offrir quelque chose. Je le répète encore, j'ai plein de choses et j'ai besoin de rien. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais avant de commencer, je remercie déjà Sabrina parce que c'est, voilà, c'est vraiment très très gentil de sa part. Donc je vais ouvrir le cadeau et je vais accélérer, je pense, la vidéo. Donc voilà, je suis arrivée à ouvrir le carton. Donc j'ai pas encore trouvé le bon sens, mais bon, j'ai réussi à l'ouvrir, c'est le principal. Donc elle m'a fait un énorme colis qu'elle m'a bien protégée. Donc elle m'a vraiment bien fait ça. J'ai du papier à bulles un peu partout. Oh là, mais elle m'a frigatée en fait, Sabrina. Oui, c'est rempli, rempli. Alors, elle m'a mis un petit mot. Bonjour Sandrine, je t'envoie un petit colis de produits et un sac de vernis et j'espère que ça te fera plaisir. Je te fais des gros bisous, Sabrina. Eh bien oui, ça me fait toujours très plaisir, Sabrina. Tu m'en avais parlé de ce colis et j'étais contente, mais voilà, gênée, je le dis souvent, mais... C'est vrai que ça me gêne, mais en même temps ça me fait très plaisir. Donc on va découvrir ensemble en fait ce qu'elle m'a mis en fait à l'intérieur. Donc là je vois or et argan, total éclat, 3 phases illuminant. Donc kératine, huile d'argan, filtre UV, donc soin capillaire, multi-action, sans rinçage. Donc là je ne connais pas du tout ce produit, donc je pense que c'est à base d'huile d'argan. Soins capillaires anti-âge sans rinçage, total éclat, démêle et nourrit et hydrate la chevelure instantanément. Dès la première application, il redensifie la fibre et freine le vieillissement cellulaire. Utilisation agitée avant emploi, vaporisée sur cheveux propres et mouillés ou secs entre deux shampoings, démêlés puis rincés. Et optimise le brushing 3D. Et bien ça, je ne connais pas du tout. Et bien oui, volontiers, parce qu'en plus, voilà, filtre UV, donc c'est super pour cet été. Kératine, la kératine, hein, c'est très très bon pour la fibre capillaire. Et l'huile d'argan, bien évidemment, on connaît toutes ses vertus. Donc ça, c'est super. Hein. Donc en fait, c'est à mélanger. Et bien ça, j'essaierai et ça va être super pour cet été. Merci, merci. Ensuite, là, j'ai une laque Elnett donc de L'Oréal. Donc ça, c'est la meilleure des laques que j'ai pu tester pour le moment. Et ça, c'est super aussi. En plus, c'est un petit format. Donc ça, c'est pratique, moi, je dis souvent, mais pour mettre dans le sac à main. Donc ça, c'est impeccable parce que j'ai la mienne. Je ne sais pas si on verra son reflet, mais souvent, voilà, elle est là-bas parce qu'elle ne rentre pas dans mes meubles. Donc ça, c'est impeccable aussi. Merci. Alors là, j'ai une petite trousse en fait de chez Kiko. Et donc à l'intérieur, oh, alors là j'ai, ce sont des brillants à lèvres et donc il y en a 3, j'ai la teinte 01, la teinte 03 et la teinte 02. Donc ceci, ben, je ne les connais pas, c'est vrai que j'ai rarement chez Kiko, parce qu'en fait il n'est pas tout prêt. Donc ce sont des baumes à lèvres, donc c'est très bien parce que moi qui, voilà, je mets des rouges à lèvres, donc surtout là avec les beaux jours qui vont arriver, ça sera plus en fait ce genre de teinte, donc ça c'est impeccable. Donc là j'en ai un rouge. Qui, voilà, des baumes en fait, donc ils sont transparents, c'est super. Je vais essayer donc le 01. Alors en plus c'est bien parce qu'en fait on peut les tourner comme ça. C'est sympa comme tout, ils sont rétractables. Et bien c'est parfait, hein, c'est des teintes nude, il y a le rouge mais qui va donc juste colorer les lèvres par transparence. Ça c'est impeccable. En plus la petite trousse elle est toute mignonne, c'est super. Donc hop. Hop. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Merci, merci. Alors ensuite, là, j'ai la marque Académie crème exfoliante amande de France, tout type de peau. Donc voilà, ça, c'est un produit de la marque Académie. Donc ça, le produit Académie, oui, je les connais avec la glossy, il y en avait pas mal dedans. Donc une à deux fois par semaine, appliquée en couche fine sur le visage et le cou, nettoyée en évitant le contour des yeux. Humidifier préalablement les doigts, puis effectuer des mouvements circulaires et rincer. Donc là, c'est un gommage, et bien je testerai, parce que je n'ai pas encore testé celui-ci. Alors là, j'ai sérum cosmétique, gommage velours, gelée exfoliante et apaisante, extrait de noyau d'abricot.
Donc là, c'est pareil, c'est un produit que je ne connais pas, donc encore une découverte. Et là, c'est pour le visage et le corps. Donc bah, ça aussi, je testerai bien sûr. Alors là, c'est la marque CHI, donc ce sont des produits capillaires. Là, c'est Farouk by CHI. Donc je ne connais pas ce produit, donc Pearl Complex. Donc la marque CHI, oui, j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits. Et donc ça m'a l'air d'être une petite traitement léger idéal pour les cheveux et la peau. Alors je savais pas qu'il faisait aussi voilà, pour la peau. Donc c'est une marque fabriquée aux USA. Donc ça, mais je testerai également. Parce que je ne connais pas. Elle m'a mis des tonnes d'échantillons. Alors là, j'ai Eone Take It Off Exfoliating Eone, donc Peel Off Masque. Donc un masque peel off. Et pareil, c'est encore une découverte, donc ça c'est génial. Donc tout est écrit en anglais. Ça c'est dommage pour moi. Donc masque. Ouais, bah, un masque. Je vais devoir traduire en fait moi sur Google Traduction. Heureusement que ça existe. Pour savoir voilà l'utiliser, mais donc ça c'est super. Donc tout type de peau, et donc masque peel-off. Donc ça c'est impeccable, et c'est un format 50 ml. Donc si vous connaissez un de ces produits, n'hésitez pas en fait à... Ça sent bon en tout cas, à me le noter en fait en commentaire, savoir ce que vous avez pensé d'un de ces produits, si vous les connaissez. Parce que pour le moment, à part la Kelnet, je fais que des découvertes. Donc là, c'est Être Belle, un masque à l'aloe vera, gel ultra hydratant. Alors je dis masque, mais non, même pas. Qu'est-ce qu'il me note dessus? Ultra moisturizing gel, ultra hydratant. Donc un gel ultra hydratant. Donc ça c'est plus une gelée. Donc je pense pour hydrater. Donc pour l'été, ça sera impeccable. Et l'aloe vera, justement, vous verrez dans une prochaine vidéo, je découvre une marque en fait à base d'aloe vera et franchement c'est top top top. Alors ensuite, j'ai la palette Essence, donc c'est la Hollywood Grays. Donc voilà, des fards à paupières Essence, moi j'adore cette marque, c'est une marque petit prix, mais une très bonne marque. Et donc là, on a des teintes, et moi c'est des teintes que j'adore beaucoup. Donc voilà, on part sur du clair, donc sur du blanc, fini sur du noir, en passant par différentes nuances de gris. Et voilà, elle est super jolie, Cassandre l'a eu dans sa Glossy Box, et franchement elle est trop trop belle. Alors là j'ai Herboriste, hein, donc masque perfecteur de teint. Donc là c'est pareil, c'est une découverte. Donc un masque, c'est un format 30 grammes. Ben, je ne connais pas, donc ben, ça je testerai. Alors Herboriste, je vais essayer de sentir son odeur. Ben, c'est sans parfum je pense. Non, on sent un petit peu, il y a un petit truc de léger, on sent quelque chose d'assez doux. Donc c'est sympa comme tout au niveau de l'odeur, très très léger, très frais. Donc je vais le frotter tout de suite. Donc, franchement Sabrina, tu m'as déjà bien bien gâtée, c'est super gentil. Alors là j'ai le même, ouais c'est ça, j'ai le même, donc j'en ai un deuxième. Donc traitement donc Farouk by CHI, donc c'est le même. Ensuite, toujours de chez Academy, masque multivitaminé anti-âge. Donc ça, c'est impeccable aussi. C'est un format 15 ml. J'ai le fluide hydromatifiant, donc toujours de la marque Academy. C'est pour peau mixte. Impeccable. J'ai la peau mixte à tendance grasse. Alors là, c'est Biss, la marque Biss Cosmétique. Alors ça, cette marque, je la connais. D'ailleurs, j'ai une poudre de chez eux. Et je crois bien que c'est celle-ci. Et moi, je l'adore. Donc là, c'est la Natural Beige. J'adore parce qu'en fait cette poudre, c'est pareil, c'est une marque petit prix mais qui est très bien et elle est toute fine. Donc ça j'adore beaucoup en fait quand c'est tout fin, donc c'est un numéro, voilà, numéro 2. Quand c'est tout fin en fait, moi qui commence à marquer en fait au niveau des traits, ça ne vient pas en fait accentuer les ridules et ça c'est impeccable. Donc ça c'est top aussi. Alors ensuite, Narciso Rodriguez, donc là j'ai un parfum donc pour elle, une eau de toilette, donc un format 0,8 ml. Ça c'est bien aussi. Crème hydratante tout type de peau de la marque Academy. Alors là, Pinky Swear, alors là je ne connais pas, donc une ombre à paupières poudre de la marque Benefit. Donc là t'es folle, hein, tu m'as mis... J'ai mis les grandes marques là, donc super packaging, un packaging à l'ancienne et voilà, un rose pâle. Il a l'air juste joli, ah bah oui.
Oh bah oui, ça, c'est impeccable. Franchement, elle est trop bien. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup. Alors là, j'ai alors Bionux, donc j'adore la marque Nux aussi. Et là, c'est la crème pour les mains. Alors là, pareil, format sac à main. Je sais que les formats sac à main peuvent avoir un tube un peu plus grand, mais alors là, ce sera impeccable parce que vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a dans mon sac à main. Mais bah, ça, c'est impeccable. Hein. Bionux, donc sans parabène, impeccable. Donc là j'ai un autre produit, donc c'est encore le même, donc de la marque CHI, bah, c'est bien, je vais pouvoir vraiment le tester et puis voir en fait les effets sur du long terme. Alors là, Cassandre l'avait eu, je crois, dans la glossy, hein, corrige-moi si je me trompe, mais Yubi, en fait, c'était une crème apparemment qui sert à faire plein plein de choses, crème hydratante multi-usage, oui, c'est ça. Et apparemment, cette marque est super. Donc Cassandre avait dit ouais, bof, mais j'ai vu pas mal d'abonnés qui m'avaient laissé des commentaires en disant qu'elles étaient ravies de l'efficacité de cette crème. Donc comme ça, je vais pouvoir, moi, la tester. Alors là, j'ai une petite boule, alors miel vanille, oh, c'est super, de chez Nocibé. Et miel, vanille, boule effervescente. Alors ça, j'adore. Alors des odeurs gourmandes en plus. Donc ça, c'est trop top parce que ça, j'adore. Moi, je suis plus bain que douche. Et voilà, des bombes effervescentes, c'est génial. Alors Biosilk, le luxe et la puissance de la soie. Donc Farouk by CHI, donc toujours la même marque. Mais donc là, quoique si, ça me dit quelque chose. Celui-ci finalement. Donc là c'est pareil, hein, c'est une espèce d'huile en fait. Donc ça je testerai. En plus les formats vont être sympas pour partir en vacances. Merci, merci. Et alors oui, elle m'a mis une pochette de vernis. Wow! Je vais devoir acheter une étagère là. Et voilà, j'ai plein de vernis à ongles. Alors, on va regarder. Alors, j'ai des vernis LOL. Alors, les vernis LOL, c'est pareil. J'en ai quelques-uns. Ils sont dans les beiges. J'en ai quelques-uns et ils sont super. C'est les vernis à 1 euro. Mais moi, je les ai tenus une semaine sur mes ongles. Et j'ai régulièrement les mains dans l'eau. Donc, franchement, moi, je suis contente de ces vernis. Donc, j'ai un bleu et c'est le numéro 11. Ah, celui-là, je l'adore. J'adore sa couleur. Donc, c'est un vernis à ongles de la marque Bourjois. Sur la glossy, donc ça c'est impeccable en fait pour les beaux jours. Et donc sa teinte à celui-là c'est le 06 Adora Bleu. Donc il est magnifique, c'est un bleu layette. Ensuite, ici j'ai un vernis de chez Revlon. Donc là il y a comme une petite toile d'araignée, je pense que c'est une édition qui était faite pour Halloween. Alors Electrified Web. Et en fait, c'est un vernis holographique. Donc il y a différents reflets. Donc je peux voir du rose. Du doré et du orangé. Donc ça va être super joli. Ah, ça, il est trop trop beau. Alors, Maybelline Forever Strong Pro. Donc là, c'est un, je dirais un doré. J'ai pas sa teinte. Non, j'ai pas le nom de sa teinte. Mais alors, ça fait en fait, ça fait un doré argenté. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc avec plein plein de petits nacres à l'intérieur, c'est super joli. Alors, The Beautist by The Brunette. Alors ça, j'en avais eu un dans une box aussi. Moi, j'ai les couleurs pêche. Et j'adore la couleur. Hein. C'est les couleurs que je porte surtout en automne. Donc ça, c'est très très joli. C'est une couleur un peu prune. Et c'est le 301. Donc ça, c'est impeccable. Un vernis de la marque Sephora. Et pareil, à peu près dans les mêmes teintes. Donc des teintes que j'adore beaucoup. Le numéro de la teinte, il est où? J'ai le L47. Je ne sais pas si c'est ça en fait, la référence. Mais il est très très joli aussi. Mais pourquoi tu me donnes tous ces vernis, Sabrina? Alors là, la marque Essence, The Gel. Alors c'est pareil, je ne les ai pas testés. J'en avais acheté un pour offrir. Mais je ne les ai pas testés moi. Bah, très joli. Et c'est la teinte numéro 10. C'est un True Love. Et pareil, hein, un peu rouge, rouge bordeaux. Très joli. Très très joli. Eh bien là, Yves Rocher, alors ça c'est pareil, ils sont top top ces vernis. Ils tiennent super bien. C'est le 28 framboise intense. Celui-ci, je ne l'ai pas. C'est impeccable. Impeccable. Alors ici, vernis smoothie. Alors ça, je ne connais pas les vernis smoothie. Donc j'essaierai, je pense que ça donne des effets. C'est donc la marque Miss Europe et c'est la gamme C'est tout moi. Et donc au niveau de la teinte, alors j'ai une référence, c'est ANG 14005.
Donc ça, c'est sympa, c'est rigolo comme tout. On peut peut-être faire avec des nail art galaxies, puisqu'en fait, on a du noir avec des espèces de petites paillettes blanches argentées. Donc ça, c'est impeccable. Alors ici, Art Déco, donc céramique nail lacquer, la teinte numéro 56. Donc là, je ne connais pas. Là, c'est un beau bleu. Je ne connais pas du tout cette marque non plus. Donc encore une découverte. Alors là, j'ai un vernis importé par Nous sur Rennes. Je ne connais pas, enfin je n'ai pas le nom de la marque. Mais alors là, c'est pareil, c'est un vernis holographique. Donc il est prune avec des reflets dorés. Donc ça va être magnifique aussi. Donc plus pour l'hiver. Mais franchement, il est trop trop joli. Hein. Ça va donner des beaux reflets. Alors ici, j'ai. J'adore le bleu marine en plus. Donc Yves Rocher, les vernis à ongles, c'était les petits, les mini. Je crois que c'est la gamme Luminelle, si je ne me trompe pas. Et bah, impeccable. Hein, en bleu marine, j'adore beaucoup beaucoup. Là, j'ai la marque Adopt, le mini vernis. Donc là, c'est un rouge vermillon, un rouge orangé. Il me donne quoi? Mini vernis à ongles de Noël. Donc ouais, les couleurs qu'on peut porter exactement à Noël, mais à tout autre moment aussi. Donc il est très joli également. Ensuite, encore un vernis de chez Yves Rocher. Et là, c'est pareil, c'est des couleurs super sympas pour le printemps-été. C'est un vert d'eau en fait, donc très clair, très pastel. J'adore ces couleurs. Et bah, c'est le vert d'eau, donc la teinte 66. Donc très très joli. Alors là, j'ai la marque Color Club. Donc ça, je la connais donc de réputation, mais je ne l'ai pas encore testée. Et là, j'ai un rose poudré, un rose. Oh, elle est trop jolie, un rose pastel. Et c'est la référence AN32, une marque Hot Pants. Ouais, et franchement, il est trop joli. Ensuite. La marque X, Formula X, et là c'est un bleu, pareil, un bleu holographique avec des paillettes et des reflets argentés, et magnifique également. Ah là, Adopte le vernis, et là ce sont des vernis paillettes, et là on a des superbes paillettes dans les tons rose argenté et du violet, donc ça c'est super joli pour faire du nail art, c'est magnifique. Il y en a encore. Là, c'est encore un vernis LOL. Et alors là, celui-ci, c'est la teinte 27, This Little Piggy. Donc, c'est un rose, un vieux rose. Donc, il est très joli également. Et donc, comme vous le disiez, les vernis LOL, c'est une très bonne tenue pour leur petit prix. Et là, un vernis Yves Rocher. Donc, c'est un, pareil, un bleu layette. Il me marque bleu nacré 53. Parce qu'en fait, ouais, on peut voir, il y a des petits reflets. Donc, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Mais donc, on a des petits reflets. Donc, il y a du nacre dedans. C'est joli comme tout. Et donc, le dernier vernis à ongles, c'est le Dr. Pierre Rico Paris vernis à ongles parfait. Donc, là, c'est un marron acajou. J'arrive pas à décrire la couleur. Mais en fait, il est super joli. Parce que là, j'ai la lumière qui l'éclaire. Et on a vraiment de très, très jolis reflets. Donc, ça sera magnifique voilà, pour l'automne. Franchement, il est trop trop beau. Et je connais pas non plus les vernis de la marque Pierre Rico en fait. Donc, ça sera l'occasion aussi de les tester. Donc, il me note ici brun violine. Impeccable. Et donc, là, j'ai tout plein d'échantillons. Alors, L'Oréal Paris Revitalift Laser x3. Donc, la crème de jour. Si je la fais tomber, voilà. Ici, ensuite j'ai le Kenzo Jeu d'amour, l'élixir, donc je ne connais pas celui-ci. Ensuite j'ai L'Oréal Infaillible, le fond de teint, un 140 beige doré, Infaillible, fond de teint, tenue et confort 24 heures. C'est pareil, je ne connais pas. L'Oréal Nude Magic, donc la BB crème, donc j'en ai beaucoup entendu parler, ça me permettra donc de la tester. Ensuite Béfine, alors Food Skincare, alors je ne connais pas du tout. Sans parabène, donc ça a l'air d'une marque assez clean et donc ça a l'air d'être à la grenade. Donc je sais pas ce que c'est, ça doit être un masque. Arnica. Oh, ça a l'air sympa ça. Ben, ça, je regarderai de plus près ce que c'est exactement. Et ça m'a l'air sympa. Alors ensuite, iris bleu et iris blanc, l'Occitane de Provence. Donc là, c'est pareil, je ne connais pas, donc ça va être encore une découverte. Voilà, il pleut chez moi là encore, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça désespère. Alors, Shiseido
Ultimune, un Power Infusing concentré, activateur, énergisant. C'était juste en dessous, mais sûr, il fallait que je lise l'anglais, donc j'en ai deux. Donc ça, j'en ai eu un aussi, mais comme ça, je peux pouvoir les utiliser sur plusieurs jours, voir ce que ça donne. Donc j'ai encore un échantillon de la bébé crème nude magique de L'Oréal. Bifine Food Skincare, donc j'ai encore quelque chose là. C'est marrant parce que je ne connais pas du tout. Au chocolat. Ça a l'air sympa comme tout. Donc je vais traduire tout ça pour voir comment l'utiliser. Donc une marque américaine. Oh, ça m'a l'air sympa. Vraiment sympa. Ensuite L'Oréal Paris Elsève Total Repair. Donc un shampoing pour cheveux abîmés. Et là ici Everpour shampoing. Donc toujours de L'Oréal. Ça, la gamme, je ne la connais pas du tout. Donc voilà, j'ai franchement été pourri gâtée encore une fois et je te remercie vraiment beaucoup Sabrina parce que c'est vraiment très très gentil de ta part. Donc je suis vraiment, vraiment très touchée en fait de tout ce que ça peut m'apporter en fait, tous les échanges qu'on a pu avoir. Avec Sabrina en fait on habite pas très loin l'une de l'autre puisque le mercredi je travaille en fait exactement dans la ville où Sabrina habite et on a prévu en fait un jour de se rencontrer, d'aller faire les magasins ensemble éventuellement. Et donc j'ai hâte que ça puisse se faire puisqu'en fait on n'a pas toujours, on n'a pas les mêmes jours de disponibles et j'ai des week-ends assez chargés donc c'est pas toujours possible mais du coup j'ai hâte en fait qu'on puisse se rencontrer et voilà, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup pour ton colis parce que tu m'as vraiment fait plaisir, tu m'as vraiment mis plein de choses et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de marques que je ne connais pas donc ça va encore être des grandes découvertes. Donc je te remercie beaucoup Sabrina. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye. En fait, je vous permets tout simplement d'être payé à commander. Donc ça paraît bizarre comme ça, moi-même je n'y croyais pas, je me disais comment c'est possible. Mais si, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, on récupère du cashback. Donc le cashback, c'est...